Et chez moi tout le monde, j'espère que vous allez bien et moi je vais bien. Et aujourd'hui on va parler d'un jeu qui s'appelle Star Stable. Donc qui n'a jamais rêvé d'avoir des chevaux et de s'en occuper au même titre que son écurie? Bon, je pense qu'il y en a pas mal qui auraient voulu pouvoir faire ça, notamment moi. Et honnêtement, j'ai un peu peur des chevaux dans la réalité, donc dans un jeu, ça m'arrange mieux. Du coup, Star Stable est mon partenaire pour cette vidéo et c'est un jeu d'équitation gratuit et en ligne. Donc vous pourrez y jouer avec vos amis et avancer sur l'île magique de Jorvik ensemble. Pour une version plus complète du jeu, on peut devenir Star Raider et dis donc, bah vous en avez de la chance! Dans la description, vous avez un lien qui va vous permettre d'être Star Raider pendant une semaine. Maintenant, je vous explique comment télécharger le jeu si vous n'avez pas besoin de cette étape. Il y aura des timelapses sur la vidéo qui vous permettra de passer à l'étape suivante. Une fois sur la page, cliquez sur « Joue maintenant » et c'est là que vous allez pouvoir créer votre personnage et le cheval avec lequel vous allez débuter votre aventure. Pour moi, c'est une étape importante. Le choix du visage, les cheveux, les yeux, ainsi que leur couleur, puis aussi le cheval, c'est important. Oui, on a vraiment le choix. Mon perso, c'est un peu la rebelle du coin, donc je l'ai appelé Montana. Et son nom, c'est Potatono, ce qui veut dire nez patate. Pas nez la naissance, mais nez bien le nez que vous avez sur le visage. Moi j'aime bien, j'aime bien. Quant à mon cheval, je l'ai appelé Zombie Lemon, qui veut dire donc citron zombie. Je pense que vous l'aviez deviné, hein. Du coup, faites attention à ne pas vous faire mordre. Pour finir, il suffit de compléter vos informations, vous validez, et le téléchargement se lance tout seul, reste plus qu'à l'installer. Alors le temps qu'il s'installe, vous pouvez aller valider votre mail, comme ça vous allez avoir l'accès à la messagerie du jeu, mais aussi attention à un cadeau supplémentaire. C'est une étape non obligatoire pour jouer à Star Stable, mais moi j'aime bien les cadeaux, et au moins si vous perdez votre compte ou votre mot de passe, vous pouvez les récupérer via votre mail. Oh, vous avez vu? Entre temps l'installation et c'est fini, on va pouvoir enfin jouer! Vous lancez Star Stable et c'est parti pour l'aventure! En démarrant le jeu, on découvre l'histoire de Star Stable, de cette fameuse île magique Jorvik, mais je vous donnerai pas plus de détails, je pense que ça c'est un aspect du jeu que vous devez découvrir par vous-même. Mais quand même les amis, regardez comment il est magnifique ce château qu'on voit juste là. Bon allez, je vous spoil pas plus de cette histoire et on rentre directement dans le jeu. Pour nos premiers pas dans le jeu, on est accueilli par Justin qui du coup nous présente notre premier cheval, celui qu'on a pu créé juste avant. Donc pour ma part, eh bien c'est Zombie Lemon, notre petit citron zombie, et il va nous apprendre tout simplement à monter un cheval, mais également comment s'en occuper, car c'est quand même important. Un cheval, comme il le dit lui-même, ce n'est pas comme une voiture ou une moto, eh bien c'est quand même un être vivant, il faut s'en occuper de la meilleure des façons, surtout lui, parce que bon, ça reste quand même mon cheval. Donc voilà, il nous apprend à le monter, à s'en occuper, à le nourrir, à le brosser, il faut bien évidemment le caresser aussi, pour qu'il se sente bien avec nous, et créer un lien avec le cheval, car oui, plus on est proche du cheval, plus il va être performant, et ça, il faut le faire régulièrement, de façon journalière, quotidienne, pour avoir un cheval qui est meilleur et ben aussi pour son propre, je veux dire, pour son propre plaisir aussi. Juste après, on découvre derrière ce portail Moorland et tous les paysages avoisinants, comment c'est magnifique. Et là, on a les habitants, on va pouvoir leur venir en aide puisqu'il y a plusieurs quêtes, une histoire principale, des quêtes secondaires, on découvre des personnages très très intéressants. Et je suis obligée de vous montrer mon crush. Je pense que c'est un crush à sens unique, mais je vais vous le montrer tout de suite. Et voici mon crush. C'est un magicien. Des fois, je me demande si il est hyper bienveillant, mais ça lui rajoute un petit charme. Donc voilà, un magicien qui fait des tours de magie. Forcément, des fois, je me demande si c'est pas des... si c'est pas des sortilèges plutôt.
Bon, de toute façon, je vous spoil pas l'histoire, mais pour moi, c'est le moment de l'histoire limite que j'ai préféré ce moment-là. Mais je vous laisserai découvrir par vous-même. Tous les jours, on peut venir le voir une fois qu'on l'a débloqué pour pouvoir avoir des prédictions. Moi, j'aime bien. J'aime vraiment beaucoup. Je suis pas sûre que c'est de bon augure, hein, tout ce qu'il nous dit. Est-ce que ça marche? Je ne sais pas encore si ces prédictions sont réelles. Mais bon, je pense que par la suite de l'histoire, je vais pouvoir découvrir si ce qu'il me dit est vrai ou pas. Mais étant donné que ces tours de magie fonctionnent, je vois pas pourquoi ces prédictions ne fonctionneraient pas. On a parlé des quêtes, mais parlons maintenant des courses. En continuant dans l'aventure, on va pouvoir débloquer différentes courses à faire à cheval. Les premières assez basiques, et plus on avance dans le jeu, plus c'est complexe. Il y a aussi des courses avec des obstacles par la suite, et on peut essayer à chaque fois d'améliorer son score et être plus fort. D'ailleurs, voici le premier saut que j'ai fait avec mon petit citron zombie. Je suis tellement fière de lui. En effectuant des courses, il y a le niveau du cheval qui augmente. Comme vous pouvez le constater en haut à gauche, il y a le niveau du personnage mais également celui du cheval. Et les courses, c'est un bon moyen que le cheval y gagne de l'expérience. C'est aussi très compétitif puisque, eh bien, tout simplement, on a des médailles que l'on reçoit par rapport à nos performances. Par exemple, là, j'ai eu une petite médaille de bronze pour commencer, mais vous inquiétez pas, plus tard dans le jeu, j'ai pu obtenir celle d'argent. Peut-être pas encore celle d'or, mais vous inquiétez pas, c'est pour bientôt. Après diverses quêtes, allons faire du shopping. Gagner de l'argent, c'est bien. Le dépenser, c'est mieux. En faisant le tour de l'île, on peut constater qu'il y a des vendeurs à peu près partout. On peut y acheter des vêtements, des accessoires, les accessoires pour nos chevaux. Et les chevaux eux-mêmes ainsi que des compagnons. On peut également améliorer son écurie afin que l'on puisse accueillir encore plus de chevaux. Allez, on entre l'écurie par ce portail et on voit ce que ça donne. Donc c'est une écurie dans laquelle, bien sûr, on s'occupe de nos chevaux. On peut en avoir plusieurs et on peut échanger nos chevaux ici. En parlant de chevaux, j'en ai acheté un nouveau. Oui, oui, j'ai craqué. Pour ce pur sang anglais. Non, c'est pas vrai. D'ailleurs, si t'as bien suivi la vidéo, tu sais très bien que c'est pas celui-là, puisque tu l'as déjà vu. C'est pour celui-ci, un Halfinger. Je ne sais pas prononcer les races des chevaux. Je n'y connais absolument pas en race de chevaux. C'est pas un domaine dans lequel j'excelle. Moi, de base, je suis plutôt chien. Je connais plutôt pas mal les chiens, mais les chevaux, c'est pas les races que je connais. Donc, je suis désolée si je prononce mal. Mais le cheval, je l'ai choisi non pas pour ses performances, mais parce que esthétiquement, j'ai kiffé sa petite crinière comme ça, quand il fait le petit rebond sur sa tête, je trouve ça trop mimes. Et comment je l'ai appelé, à votre avis? Je l'ai appelé Royal Pearl. Royal parce que je sais pas, je trouvais ça stylé. Et Pearl parce que je me suis dit, bon, j'ai déjà un petit cheval avec un pseudo un petit peu troll, zombie, enfin citron zombie. Je me suis dit, je vais en choisir un autre, un classe pour celui-là, même si j'aime beaucoup les deux. Comme il vient d'intégrer la famille, il fallait bien que je le mette en confiance avec des petites caresses juste avant de le traumatiser avec un bain. Non, je déconne, je sais pas trop, mais je pense que les chevaux, ils apprécient plutôt pas mal qu'on s'en occupe de leur faire leur toilette. Donc je l'ai brossé, mais juste après, je l'ai bien nettoyé également. Et bienvenue à lui dans la famille. Voilà, ça c'est le changement au niveau des chevaux, mais je peux pas terminer cette vidéo sans vous montrer le changement vestimentaire de mon personnage, car j'ai bien avancé dans l'histoire, mais voyez bien que j'ai aussi un style, parce que là, je ressemble pas à grand chose, enfin du moins, ça ne me correspondait pas, et donc découvrez le nouveau style. Moi je suis totalement fan, ça fait cow-boy, ça fait classe, j'aime beaucoup ce violet, il fait très majestueux, enfin... Je trouve que ça lui va hyper bien à mon cheval. Bien évidemment, vous pouvez acheter plusieurs affaires. Vous avez des armoires ou entreposer dans l'écurie si vous avez trop d'affaires. Et vous pouvez changer
quand vous voulez. J'ai également acheté un petit chat. Un petit chat roux, puisque mon chat dans la vraie vie est roux et il s'appelle Petit Chat, ça c'est vrai. Mais également, comme vous le voyez ici, une mouette. Voilà, une petite mouette avec un petit nœud pape, je trouve ça trop mignon. Donc j'ai acheté les deux comme compagnons, je les trouve méga, méga stylés. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné envie de jouer à ce jeu. Je rappelle, tout est écrit dans la description, tout est expliqué en vidéo. Et pourquoi pas, peut-être à bientôt si vous me retrouvez sur Star Stable.